Mais je viens de me faire dépouiller par les gens qui viennent de partir. Hein. Ah, vous Un êtes attaché? certain Salazar. Ah oui, je suis menotté, je n'ai rien pu faire. C'est passé tellement vite. Ah, monsieur Bellevue, vous assez surpris de vous voir comme ça. Eh oui, même moi, je tombe des nues. Ah, vous êtes problématique. C'est très problématique, mais bon, ces crétins ont dit leur nom, donc. Vous voulez qu'on s'en occupe? Ben, je veux bien si vous connaissez un certain Salazar. Ouais, Salazar, c'est en Et plus, c'est juste à Stanis. côté. En fait, c'est le quartier d'à côté là-bas. Ah bah super. Vous pourriez peut-être me détacher, Je ce vais vous serait. détacher, monsieur Bellevue. Ok. Merci. Putain. Redis-moi. Voilà. Allô? Ouais, c'est bon, c'est fait. Fils de pute, je t'ai dit à quelle heure? Je t'ai dit à quelle heure? 23h30. T'as braqué mon gars, Ouais. mon partenaire! Putain, je suis vraiment con, moi. Je Ben savais pas que oui! c'était ton partenaire, Seigneur. Tu m'as pas Ben donné la oui, bonne info. en gros, il va la vendre à des gens, mais moi je vais la récupérer juste après, tu vois ce que je veux dire? Mais putain, je Mais suis là, ce gars, vraiment c'est mon dégoûté. gars! C'est-à-dire, moi je l'ai rejoint pour. Voilà, et. Vas-y, Bon, bah, je attends, redépose regarde! les camions. Non, 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 attends, là je suis avec lui. Là, je vais simuler un appel, je vais dire, ouais, c'est mon gars, ramène tout de suite, tu viens et tu t'excuses et tout, et après tu te barres. Mais après, tu refais. La mission est toujours d'actualité, mais tu tapes Vas-y, les clients, pas ok. lui. Ok, Vas-y. ok. Ok. Pourquoi Vous m'avez dit, c'est qui? C'est Salazar? Je vais avoir son numéro Certains là. Salazar, oui. Mais pourquoi vous, monsieur, pour nous expliquer sur moi? Ben, Qu'est-ce je. que Oui, c'est hello. quoi Eh, j'ai un gars à moi là qui vient de se faire braquer. J'aimerais un petit retard. Tourne un peu en ville et je t'appelle dès que c'est bon. Et tu me conseilles d'aller où là, si pour voir du monde? Regarde ce qu'il y a d'ouvert. Centre commercial, les trucs comme ça. Y a des Tiens. trucs à pute ou Tiens. pas? On va Non, trouver c'est plus pas le sympa hein, nord. s'ils arrivent Mais à vas-y, je Ah, te rappelle. ok. Espérons rentrer en contact avec ce Salazar. Ouais, j'ai son numéro, j'ai son numéro. Bah, excusez-moi, je vais me démasquer. Ils étaient combien? 5. Il me répond pas. Ne vous en faites pas, j'ai fait 4ème régiment de Wisconsin, ne vous inquiétez pas, j'assure votre sécurité, monsieur Bailey. Je vous remercie. Ah, d'où l'importance d'avoir des hommes sur le terrain. Allô, Salazar. Ouais, tu vas bien. Désolé. Ouais, ça va. C'est nous là que t'as braqué, hein, au port. Non, arrête de foutre de ma gueule. Bah oui, c'est pour ça. Mais Oh tranquille, je merde. comprends, la rage, le. Voilà. La soif d'argent, la faim d'argent. Ramène-moi ça là. Parce Ok, que voilà. Seigneur, désolé, je Non, savais pas que t'inquiète, c'était à toi. tranquille, t'inquiète. Vas-y. Ils arrivent. Quelle persuasion C'est pas compliqué, c'est des petits gars de rue, vous savez. Gros, hein? Quand ils savent ce qu'il y a derrière l'arsenal. C'est ça, c'est ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, mais c'est ce que je m'étais dit, hein. Ouais. Je suis une vraie tour automatique, hein. Brrra! Bon, C'est qui excusez-moi ça? un peu de sérieux. Excusez-moi, Seigneur R3, hein. Désolé. Monsieur, Ah, Seigneur! c'est surtout monsieur, hein, Oui! c'est surtout monsieur. Pardonnez-moi, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. J'ai faim C'est-à-dire? d'argent, vous savez, la fin justifie les moyens et je ne savais pas que vous étiez. Un ami Mais de vous allez me R3, demander du donc. travail, voyons donc. Ouais, je suis complètement des fois, C'est ça, je suis un vous prenez toute imbécile. ma marchandise. Il y en a pour presque un demi-million de dollars. Oh putain de merde, carrément. Ah Ok. oui? Ouais, elle arrive, votre marchandise, vous allez tout récupérer, Seigneur, il n'y aura aucun problème. Bon, je prendrai votre contact après, auprès de R3. Ah Mais oui. Si vous tenez des désirez, il n'y a efficaces, aucun souci. hein? Bah, disons que. Un peu trop, même. Ouais. Bon, en tout cas, C'est des choses qui arrivent. Ouais, ton Ouais, quartier il est à côté, c'est ça? à côté, carrément. C'est un malentendu. C'est des choses qui peuvent arriver, hein. Oui. Bon, Ou un juste. malentendement, ouais. Les prénoms avec les masques. C'est débile. Hein? Quoi? C'est débile, ça, des fois. Bah, ça nous a permis de vous retrouver assez facilement, hein. Ouais, carrément. Bah dis donc, tout ça? Bah dis donc. Vous Ah, avez fait fort, Salazar. le crack du pays, hein.
Ouais, les gars, tranquille, tranquille. Vous pouvez vaquer à vos occupations et puis. Ouais, bah, y'arrive, le ah, bah, y a tout, tu m'as dit. Lunettes. Ouais, y'a tout, y'a tout. Vas-y, seigneur. Il est con ou quoi, fils de pute, va. Avec ses lunettes, tu tires bien, toi, ça se voit. Vous pouvez pas, casino, il est ouvert vendredi, hein. Ouais, ouais, bah, je t'es con quoi, fils de pute? Arrête de pute, t'as dit 30, chuchote, chuchote. Mais dis pas. Bref, vas-y, barrez-vous là, on va livrer les gens et vous tapez les gens. Vas-y, parfait. Désolé, les gars. Tranquille. Pas de soucis. Venez équiper, on assure la sécurité là d'un truc, d'un rendez-vous, d'une transac. Oui, allô? Ouais, R3, tu vas bien? Tranquille, dis-moi. On peut se voir, comme je t'ai dit hier soir, pour ce qu'on t'a parlé. Bah, viens dans le sud et tu me dis dès que t'es là. Ah, dans le sud? Okay. Ouais, vas-y. Ça vas-y. Vas-y, on arrive, on arrive, on arrive. Eh, j'ai appelé encore des gars en renfort, hein, vu que ça a l'air chaud. T'as pas besoin de monter, je mets juste... Ok, très bien. Oui, parce qu'il... Là, vous le faites comme ça, ici? Monsieur Bellevue. Comment? Oui, bah c'était plus pratique que de charger le camion pour moi-même. Devra arriver d'ici 5 minutes. Eh ben dis donc, quelle pluie torrentielle. Allô. Allô. T'as vu quand allô, t'arrives, ouais. Quand t'arrives, essaie de prendre une photo de loin de Bellevue armée. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Et après tu nous rejoins. Ça fait toujours bien un peu de pluie, de l'eau naturelle. Ouais, vous avez raison. La mer est fascinante. Bon, j'ai l'impression que... Je sais pas comment on appelle ça, cette falaise ou c'est... Bon. Le niveau d'eau est haut. Cette falaise, t'as dit? Oui, je sais pas comment on appelle ça. Bah, un port, je sais pas. Okay. Un quai, ouais. Un quai, oui, voilà, un quai, voilà. Oh, excusez-moi, ça m'est perdu. Excusez-moi. J'ai pas mon lexique. Qu'est-ce qui se passe sur Life Evader? Chicago. Hein? Pourquoi elle a écrit ça? Ah bah dis donc, Chicago la slash. Mais c'est... Vous avez vu Monsieur Bellevue? C'est la femme de Diamond? Pas la future femme de... Vous pouvez lire à voix haute là ce qui est... J'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. Put à temps plein sur Pépé, ça s'use de midi à midi. Ah ouais. Oh, ça mérite un like, allez, je like. Like également. Ah bah dis donc, quelle dévergondée. Moi aussi, excusez-moi de ce mot. Comment je cache ça? Scam, scam, ça dit quoi le sang? Nouveau penthouse. Scam, scam. Vous êtes venu à quelle voiture, vous, monsieur Bellevue? J'ai mon chauffeur qui est pas très loin. Permettez, monsieur Bellevue, que je fasse un contre-due de ce qui se passait depuis le début. Faites, mais il risque d'être plus déplorable. Oui, c'est bon, bon, ça me fera de la lecture au sommet, mais bon, j'aime bien. C'est une tracée. Thank you.
C'est Martino, bien vu mon frère. Bien vu mon frère. Comment je change? Skem, Skem, ça dit quoi le sang? Nouveau penthouse. Oui, ça fait toujours 5 minutes, hein, j'avoue. Avec la pluie, le mauvais temps. Oui, tu vous as dit. Non. Oh non, les canons sont là. J'ai changé normalement le truc. Et pourtant les canons sont là. Ouais. Allô. Ouais. C'est bon, il est 30 là, j'y vais ou pas? Non, 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 non. Bah non, attends que les camions roulent, t'as vu. Là pour l'instant ils sont pas arrivés, ils ont pas récupéré. T'es pas le seul sur le plafond et personne m'appelle à part toi, ça Lazare. Ça veut dire. J'ai vu une autre voiture, c'est pour ça que je voulais. Non, non, non. Les aboutissants. Bah mets un mec qui guette, tout ça quoi. Vas-y, fais ton boulot, fais ton taf. Vas-y, ça, ouais. Ça roule. Ouais, allô. Ah, y a flop de cops qui arrive. Hein. Arrête de mentir. Je te jure, trois voitures. Vas-y. Je vais. Monte, 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 monte. Masque-toi, masque-toi. Descends, descends. Allez-y, vous en faites pas pour moi, allez-y, allez-y, allez-y. Mais monte, monte. Monte, 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 ils vont nous attraper, monte. Vous en faites pas pour moi, t'as ton arme, j'avais pas la place pour. Mais t'as ton arme, attends. Mais non, non. Allez-y, 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 vous en faites pas pour moi. Allez-y. Allez-y. En fait, vous avez votre arme dans les mains. Hein. Et alors? Allez-y. Moi aussi je suis dépassé. Allez-y, je vous dis. C'est vous qui avez fait ça? Juste, expliquez-moi la situation. Non, 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 j'en sais rien, mais allez-y. Bah, moi aussi je pars pas, parce que moi j'ai rien moi aussi. Hein. Enfin, j'ai qu'une petite arme. Moi aussi j'ai une petite arme. Je pense pas risquer énormément pour ça. Je le mouille, les gars. Vous êtes cons ou quoi? Je le mouille. Arrête, je fais exprès. Voilà, je suis en train de faire exprès. Comment? Je vous conseille d'aller avec lui tant qu'à faire, non? En fait, nous, lui il a une grosse arme. Donc, comme vous le souhaitez. Mais il nous parle ou il nous parle pas? J'en sais rien, je ne pense pas. Attendez, oui. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Allô? Eh, viens. Ouais, dis-moi. Et viens, viens et tu me récupères. Enfin, tu récupères Evan. Vas-y. Je récupère Evan ou toi? Juste Evan. Et pose ton arme et rien. Lâche les autres et viens, tu récupères Evan. Vas-y, c'est bon. Vas-y, vite, 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 maintenant, maintenant, maintenant. Vas-y. T'as dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Et il va te récupérer, tu montes avec eux. Ok? Et ensuite, vous et moi, Bellevue, on. on vide Eldorado, ouais. On se barre. Je pense que ça va faire comme ça, hein. Parce que c'est sûr que là, ils étaient autour, ils savent que c'est à nous les camions, ben. Enfin, je sais. Mm. Là, c'est quoi la lumière qui est sur nous? Un hélicoptère, je pense, mais je l'ai pas entendu, je sais pas depuis combien de temps il est là. Cours. Allô? Allô? Même pause. Vas-y, vas-y. Vas-y, viens, montez. Montez. Non, il l'a pas pris. Monte avec eux, trop de balles! Mais tu fais quoi? Mais monte avec eux! C'est les queues! Mais non, l'autre, l'oracle! Ah, ouais, c'est des. Bon, allez, salut. Qu'est-ce qu'ils nous font là?
Non, Uzi, putain. Mais c'est qu'est-ce qui s'est... Vous avez... Enfin... Mais là, je tombe des nues, là. Je mais prépare moi... ma livraison, je me la fais braquer, toute la police arrive. Et... Ça m'emmerde énormément. Les gars, c'est quoi? C'est Zoa Vijou? Edouard. Laissez-moi réfléchir. Parce que là, on a une mauvaise voiture, il nous en faut une nouvelle très rapidement. Et elle fume en plus, hein. J'ai vu ça. Est-ce que tu peux tenir la voiture garée, prête, disponible à partir quelque part pour moi? Oui. Tu peux garer ma voiture, la JB700, garée quelque part? Tu as quoi? Reiti, tu peux la garer où? Il faut que tu me laisses pas le légal parce que. Mais voilà, je faisais exprès, les gars! J'aurais joué normal, je serais back ma. Mais les gars, ouais, j'ai allumé vos cerveaux! Par là, je faisais exprès, frère! Voilà, je l'ai fait exprès, du début à la fin! Voilà, voilà! Vraiment! Bon, faut pas jurer à la mort, mais bon, là, visiblement. Non, Little Seoul, s'il te plaît. Mais pourquoi? Bah, parce qu'il se présente aux élections, suit l'histoire! Il se présente aux élections, là, il est baisé! Là, il est mouillé, là, quasi judiciaire, c'est fini! Wesh, les gars, allumez vos cerveaux! Wesh, c'est une dingue, vous regardez mes lives, vous! Là c'est incroyable, c'est pour ça le timing il est trop bizarre, frère. On est genre on a là c'est incroyable ce qui se passe. Mais je comprends pas pourquoi. Et c'est pour ça que lui voulait pas monter parce qu'il voulait faire genre il a rien à voir. Ouais. Allô. Ouais, ouais. Si jamais vous prenez des. T'as dit quoi? Genre limite j'ai envie de me faire péter. Les gars je me fais péter ou pas? Mais vous qui étiez au courant? Seulement les membres de la morale. Donc mais là c'est un hélicoptère équipe, qui est au-dessus, c'est ça? Ouais, je vois ça. Mais pour la première équipe, ça me choque pas du tout qu'on soit fait braquer, mais par contre... Non mais moi je pense qu'il y a un lien avec la milice. S'il y a un hélicoptère et tout ça, hein. J'ai l'habitude un peu avec les poursuites et l'hélicoptère s'est vraiment sorti quand c'est très très grave. Allô? Non. Non, non. Les gars, dites-moi que vous avez pris Evan. Dites-moi que vous avez pris Evan. Tu me mets la. Du coup, il a pris un Uzi, je lui ai donné un Beretta. T'as vu pourquoi il fait des faces comme ça, Marquis? Voilà. Pourquoi il a pris un Uzi, je lui ai donné un Beretta? Pourquoi? Non, juste les deux devants, s'il te plaît. À Little Seoul, parking blanc. Tu vois lequel? Faudrait que tu bloques l'entrée du parking avec la voiture. Comme ça, quand on descend de la note, eux ils sont bloqués par la note et nous on monte dans la Non, cousin, il répond pas, il met pas les pauses. J'arrive au même truc. Un parking pas, où c'est faisable à Little Seoul, il y en a 4 maintenant. Voilà. En gros, t'as vu, je suis arrivé. Au moment où je suis arrivé, c'est fait, ils l'ont menotté. Il va y arriver. Ouais, après, c'est normal. Tu peux me préparer un plan mule ou pas? En fait, là, avec un hélicoptère, je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. Et vous... Ah! Pourquoi vous voulez pas vous masquer? Si. Bon, les gars, je simule un accident, je crois. Si ce masque, c'est parfait. Allez, hop. C'est quoi ce masque? J'ai fait avec ce que j'ai, hein. Vu. Ah, l'hélicoptère a lâché, je crois. Je ne le vois plus, effectivement. On s'arrête en cours? Je peux avoir une voiture hein, disponible là, hein, qui va être garée d'ici quelques secondes. Vers Little Seoul. Ok, je m'y dirige. Les gars, faut que je simule un crash, mais faut pas que ça soit cramé, tu vois. Comment faire? C'est trop bizarre hein, les keufs. Hein. En gros, je suis curieux de savoir. Je sais que ça doit être légitime, mais. Rentrer par la. Tourner une première à gauche avant. Je sais pas si vous allez y arriver. Première à gauche? Tourner à la prochaine à gauche. Non, là ou après? Prochaine. Ici. La petite allée là, la prochaine petite allée à droite. La prochaine petite. Ah là! C'est pas grave. Prochaine à droite. Pire, je le fais de là par la droite.
On va voir, je sais pas si c'est cet André qui bloque. Ah, voyez, il y a une voiture là qui est dispo pour nous. Ah. Montez, montez. Mais pourquoi? Parce que la vôtre fumait. Ah oui, oui. Allô. Ah ouais. Allô. C'est un peu mieux. Je pouvais pas le récupérer, c'était impossible. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je suis en chasse là, mais avec une seule voiture, je gère ça. Vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. C'est une belle voiture. Ouais, une voiture que je devrais importer du coup. Vous pouvez appeler la morale, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Je vais essayer de creuser ça pendant. Parce qu'il y avait un hélicoptère, pour moi c'est en lien, c'est sûr. Oui, j'aurais une petite question à vous poser, dites-moi. Pourquoi 10 secondes après notre appel, un hélico et plus d'une dizaine d'unités du LSPD. Elle patine trop, hein. Vous savez que je fais pas exprès, c'est vraiment elle glisse trop. Oh. Ah ouais, là je suis dans un sacré bourbier. Hein. Ah non. Eh. Ah ouais, tout gratte. Hein. Oh, ça glisse. C'est un méchant accident. Ah, bah le retour d'un hélico. Ouais. Bon, j'essaye de sortir de cette merde, Sancho, mais si j'en sors, faudra qu'on discute, hein. Ah oui, je viens de perdre pas mal d'oseille sur ce coup-là, hein. Allô? Mais, Monsieur Cooper, il s'est passé quoi? De quoi il s'est passé quoi? Parce que j'étais avec Monsieur Bellevue pour la transaction, et d'un coup, plein de voitures d'LSPG, hélicoptères, etc. sur nous. Ce soir, à bientôt. Ils se sont pas fait gris. Comment? Non, non, je pense pas. Dans la merde, là? Non, non, je... Tranquille. Ah, je vous rappelle. Ok. On a l'hélicoptère, là. Ouais, ouais. La voiture d'air, c'est à vous? J'arrive pas à le déterminer. Allô? C'est toi là qui te fais chasser là? Ouais. Ah, toi, je vais la Keblo. Non, 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 non. Comme tu veux. T'inquiète. T'inquiète. Vas-y. Non, j'ai pas l'impression que tu sois moi. Putain, dommage, je peux pas écrire, frère. Vraiment, vous auriez pu trouver une meilleure voiture. Malheureusement, c'est celle que mon chauffeur avait. Descendez, descendez. Mais elle démarre 100 ans après aussi. Les gars, je veux être un suspect. Faut que j'abuse en fait pour que. T'as dit, il commence à ramener une deuxième patrouille. Vous voulez pas qu'on lui fasse les. Qu'on lui tire dessus? C'est un risque à prendre. C'est vous qui voyez, hein. Comme vous le sentez. On est en code noir ou pas? Ah ouais, ouais, code noir. Oui, ouais. Oui, bah oui. Allô? Oui, allô? Oui, très bien, vous. Ben non, pour le coup, non. Je vous laisse le rappeler, hein. Je vous laisse, hein. Il y a deux patrouilles.
Ça glisse trop, c'est ça glisse trop. Personne qui m'appelle. Ouais, moi non plus pas de nouvelles pour un plan d'extérieur. Moi, mon gars, il s'est fait attraper, hein, l'autre. Mais là, l'histoire va pas rester comme ça. On va savoir qui a parlé, qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Regardez comment ils vont avoir peur. Je peux poster un homme lourdement armé et faire très mal, hein. Ah oui, oui, ouais, 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 ouais. Oui, oui, oui. Poursuite, ouais. Ouais, ouais. Ouais, tu prends le G36, tu prends deux chargeurs de 5.56, une voiture assez rapide, tu te postes à une position et tu m'appelles. En fait, la voiture, elle est trop ouais, gaze, les gars. Attends, pour un peu plus d'immersion. 5.56. Ouais. Oui, je suis un solo, frère. J'ai mis un pack son. Je veux être dans le délire. Mais par contre, pour moi, c'est gay de me faire péter, frère. Eh, je suis en... Ah, ok, parfait, j'arrive. Te poste un endroit stratégique où tu peux aligner ce qui est ici. Ok. Ouais. Non, toi tu t'en fous. Heureusement non, ils toi, sont pas agressifs, hein, ma mère. Hein. Ouais. Eh, moi je suis eux, là je bloque direct et tout, frère. Je sais pas pourquoi ils font jamais ça. Allô, t'as vu ouais. Mon message? J'ai vu, mais c'est pour ça, faut faire ce plan mule là. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Plan récup, je t'attends avec une moto ou une autre voiture, tu sautes et le mec, je démarre sans lui. Hein, ouais, coups. Mais c'est trop ça, c'est trop, t'as capté? Ouais. Gros, je faut sais pas qu'il grille qu'il y aura un plan mule. T'as capté ce que je veux dire? J'ai pas capté. Mais faut pas qu'il crame à l'avance qu'il y a un plan mule, faut pas que ça soit trop à cramer. Je comprends ma gueule. Ouais. Putain. Là ils sont deux patrouilles, ils sont pas trop agressifs. Lui en fait là il veut les allumer. Mais putain, c'est chaud un peu, non? Ah ouais. Bah surtout oui. Qu'on était démasqués. Je sais pas. C'est belle vue, on était démasqués quand même, hein. On était démasqués, oui. Putain. Mais l'autre, c'est pourquoi ils sont venus, tu peux te dire à moi. Hein. Gros, t'as vu quand on est arrivé nous? Ouais. Trois patrouilles qui vous ont foncé dessus. Ah mais ils étaient pas là depuis. C'est pas... Non, je crois pas, mon truc. Tu penses pas qu'ils étaient là depuis? Ouais, c'est possible, parce qu'en fait, on a vu trois patrouilles normales et une banalisée qui était déjà là. Et la banalisée, elle nous a suivi, elle a dit parez-vous. C'est la banalisée qui vous a suivi, ou je sais pas quelle salade. Bah, je sais pas, frérot, comme tu veux, comme tu le sens, dis-moi. Je sais pas. Tu veux pas, là j'ai un plan mis prêt, Blanco, Salty aussi. Ouais mais j'avoue si toi tu veux putain. Vas-y bah viens j'arrive vas-y j'arrive à ton plan mule. Vas-y. Renvoie-moi vas-y j'arrive et je t'appelle vas-y. Là vous voulez les allumer? Si ce plan mule ne fonctionne pas je pense que ça. Regardez où est-ce qu'il est le plan mule. Essaye de lui dire de se placer un peu avant.
Là, il est où votre gars là pour qu'il va allumer? Je pense qu'il va se mettre sur un pont. C'est où ça? Ouais, derrière le quartier. Vers les canaux. Vers les canaux. Il est prêt là, votre plan mule? C'est un plan mule ou ils vont nous tirer? Ils vont tirer. Moi, mon plan, c'est tir au fils d'assaut. Hein. Ah ouais, ça rigole pas. Je pense qu'on peut disparaître. Hein. Ah, non. Non. J'ai reçu cette pause, hein, je vous propose d'y aller. Dès qu'il s'est mort la voiture. Ouais. Illégalement, je le fais salement. C'est où votre plan? C'est là? Ouais, mais faut arriver par le nord. Allô? Je vais vider le sud. Comment? Vider le sud. Vider le sud? Oui. Comment ça? Continuez tout droit. Mais écoutez, vous avez déjà fait un burn-out? Encore une fois tout droit. Burn-out. Je vais quitter le sud, j'ai pas compris. Non, je vais vider le sud. À droite, ok. Mais vider le sud, c'est-à-dire? Ben, je vais vider le sud. Je vais vider le sud intégralement. Le sud, bah, vous avez déjà vu les films de western quand le bandit arrive en ville. Attendez. Ouais. Espérons qu'il soit prêt. Hein. Il y a un hélicoptère. Hein. Ouais, je sais. Oh. Inutile. Inutile. Il y avait l'envie, il y avait l'entertainment, il y avait du bruit. Ouais. C'est... voilà. Faut pas blâmer quoi. Bon, il nous aura débarrassé de l'hélicoptère. Oui, mais il se l'est mangé lui maintenant. Oui. Illégalement, je le fais salement. Allô. Oh, allô. Eh, j'arrive. Carré, maintenant je l'essaie, mais faut que je me barre. Côté Bahamas, hein, passe-moi à côté Bahamas. Côté Bahamas, ok. Bahamas, et après t'as vu tes petits trucs. Vas-y. Eh, essaye vraiment de te barrer, hein, parce qu'on les a allumés et tout, ça veut dire. Faut vraiment que. Voilà quoi. Qu'il y ait le moins de. Enfin, que tu te barres quoi. Ah, nique ta mère, la prochaine. Non, elle freine pas. Ah, ok, j'ai eu peur. HPP, c'est fini, non? Bah non. Je suis conducteur, j'ai rien à voir. Ah, je suis dans la merde, mais bon, vite fait quoi. Je pense pas que c'est la catastrophe. Hein. Non. Ouf. Illégalement. Vous savez conduire? Pas de ouf, hein. Pas de ouf. Mais frère, je raccroche, ça veut dire que je suis occupé, frérot. Parce qu'au pire, moi je descends, je cours, ils vont rester sur moi. Surtout en voyant ma coupe, ils vont savoir à l'as potentiellement. Ils vont se séparer en deux, je pense. Hein. Ouais, mais au moins, on... après, vous faites juste un plan mule et c'est fini. Si vous le sentez. Vous avez une possibilité de changement de véhicule avec notre équipe? Là, tout de suite, non. Là, je vais refaire un plan mule. Si c'est pour courir. Non, vous prenez la voiture. Et moi, je cours, je sais pas ce que je vais faire. Bah oui, c'est risqué pour vous. Attention, on rentre dans un truc. Oui, mais moi, j'ai déjà un casier.
prenez la voiture. Prenez-la. Ouais, prenez-la. Descends toi, descends. Il est aussi. Eh monte, je te pousse. Monte, je te pousse. Vas-y, descends. Recule de là, recule. Descends. Ah, j'ai pas reculé, hein. On en a un de foot sur nous sur un toit là. Monte pas, je vais te pousser. Eh, ça sert à rien, rends-toi. Ah non. Mais tu vas être bloqué dans tous les cas, donc si tu me pousses ou que tu me tues, tu seras éliminé par la suite. Ça d'accord, bah c'est pas grave. Monte, je te pousse. Voilà, c'est pas. Voilà, les gars, je voulais pas descendre. Je voulais jeter mon arme. C'est pas assez, hein. Hello. Non, fils de pute, va. Je voulais sauter. Voilà, les gars, je voulais pas descendre. Je savais pas que ça passait. Je voulais jeter mon arme. Cavale. Il s'arrête pour jeter mes trucs. Allô ? Alors ? Oui. Oh, l'essence commence à se faire rare. Ah, ils vous suivent encore ? Ouais, deux unités, mais bon. Mais moi, ils sont sur moi autour d'un toit, ils étaient je sais pas combien. Bah là, je vais vous faire des plans mules. Enfin, des plans pneus, mais on va mieux le faire. Tenez, juste tenez. Ouais, bah. Parfait. C'est juste l'essence qui commence à se faire. Mais j'ai un véhicule de rechange au cas où. Bah, essayez de changer de véhicule là si vous y arrivez. Ouais. Après, prenez pas de risque, on va vous faire un plan pneu. Parfait. Ok, pas de soucis. Hein, parfait. Scam, n'oublie pas le son. Nouveau penthouse. Allô? C'est bon, t'es. Ouais. Comment? C'est bon. Mais je suis dans les tunnels. Vas-y. Je t'entends pas. Je suis dans les tunnels. Tunnel. Okay, bah vas-y. C'est bon, t'es tranquille? Ouais. Vas-y, ouais. Ta mère, ouais. Ouais. Ah, c'est pas. C'est Salchi? Ouais, non, c'est pas Salchi. Ah, c'est Roca! Ouais, c'est Roca. Mais non, c'est écrit. C'est qui, c'est Creepy? C'est R3. T'es où, mon frère? J'arrive, mon frère, je passe. Vas-y, R3, j'ai pas de voiture, je récupère Evan et je viens vite fait, R3, viens. Monte dans la voiture. Monte-moi, je prends ton téléphone, monte dans la voiture. Prends-lui ses informations. Vas-y, tiens. Montre tes affaires, toutes tes affaires. Je vais lui baiser sa mère. Mais non. Mon petit Creepy, moi je t'appelle Creepy, hein. Je t'ai connu sous Creepy. Ah, vas-y. J'espère que tu vas me fumer, hein, frérot. Non, je veux pas le fumer. Ah, bah j'espère. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Bon, on va parler. T'as quand même fumé l'un de mes frères, non? Qu'est-ce que tu me racontes là? Ouais, il me l'a dit. Et Jimson. Ouais, et alors? Pourquoi tu l'as fumé? Tu me prends pour ça là?
Lui, je te prends pour ça, on va parler. T'as fumé un de mes frères. Mais là, t'as vu, je suis grave occupé. Tu me prends pour une balance. Il était là, il a validé. Tu sais qui la balance ? Est-ce que tu Mais je m'en bats les couilles, je vais pas reparler de ça. Bah tu quoi ? Bah venge-toi. Oui, on va parler de ça. Mais parler de quoi ? Moi, je vais t'expliquer quoi ? J'ai déjà expliqué à Reyes. Je fais un mort. Tu vas refaire un mort, je vais refaire un mort. Bah vas-y, fais. Bah tu veux que je te dise quoi ? Prouver qu'il a pas balance. C'est tout. Et ensuite. Moi, je lave son honneur. Mais prouver quoi ? Il a pas balance. Tu sais qu'il a dit quoi, Salazar ? Bah quoi ? Il a dit c'est les gars de Watts. À aucun moment, il a sorti ton blaze. Mais ça arrête. Et dis-moi, tes gars, ils ont mis quoi sur les Finvaders ? Mais t'es con ou quoi ? Il a dit c'est les gars de Watts. C'est quoi le délire ? Salazar, il m'a appelé, il m'a dit c'est Watts à ce qui paraît. Là, ma mère, il m'a dit ça. Bah, il m'a pas dit c'est moi. Mais donc, il a balance. Roca, pousse ta bière, mon frère. Là. Tu vois, ça, c'est les infos qu'on m'a données. Bon, mais maintenant, tu vas voir quelqu'un aussi. Qui ? Tu vas voir Diamond. Il va te voir. Ah, ok. Vas-y. Pourquoi ils font ça? Ok, bah reste, il m'a mal donné l'info. Mais dans tous les cas, tu viens de te dire toi-même. Ouais, il m'a dit, il a juste dit c'est les gars de Watts. Mais c'est... Oui, c'est... Bah oui. Bah moi, c'est... Parce que moi, il a dit c'est toi, genre c'est creepy, il a dit. Et j'étais pas d'accord avec ça. Parce que bon, les gars de Watts, vous l'avez revendiqué partout, hein, vous l'avez tué. Où ça? Sur Life Invader et tout. On a mis quoi? Mais faut que je remonte, mais je vais remonter, mais tu verras, je te dis. Oh lolo, il pète les couilles, frère. Bon, sinon, vous, c'est comment la vie de riche, si je puis dire? Ouais, c'est bien. Il se passe quoi à gauche? Je vis en tout cas un costard, on est sur de l'argent. Ouais. Ouais. Vas-y. Je t'en veux. Ouais, Gilson. Ouais, allô. Ouais, gère-toi. Lui, gère-toi. Je t'envoie une pause. Vas-y, je t'envoie ça. Ah, les gars, j'espère vraiment qu'ils vont me fumer, hein. Parce que t'as vu, tu peux tout oublier, tout. Comment ça? Capté? Ton labo, tout. Tous les gars, tout. Oh, peut-être. Y'a pas de peut-être. C'est sûr, t'as vu, c'est sûr. Et c'est comme ça, tu vois, c'est les choix qu'on a décidé de faire. Ouais, des choix de cons. Des choix grave cons. Des choix grave cons, pourquoi, dis-moi? Parce que tu verras ce qui va se passer. Vas-y, bah on verra alors. Vas-y. Moi, si je l'ai fait, c'est que je suis prêt, t'inquiète pas. Mais t'es prêt de quoi, toi? T'es prêt de quoi, cousin? T'es moi, quand tu parles, t'es même pas sûr de toi. Tu me prends pour ton frère qui est mort. J'étais à peine mis d'un. J'étais à peine parlé fort. T'as paniqué? Là, tu viens, ça va être. Ah, les gars. Ouais, mais. Bah, les gars, j'espère Diamond, il va vous protéger de tout ce qui va se passer, hein. J'espère, hein. Tu sais, après, je vais me protéger tout seul, hein. Ah non, je te jure que non. Je pense que si j'ai su me protéger dans la rue de toi. C'est pas maintenant que je vais pas réussir. Mais je me suis jamais mis sur vous, t'as vu, pour de vrai. Je... Arrête. Peut-être pas toi en personne, mais tes gars. Mais alors, mes gars, ils agissent, t'as vu, avec moi. T'as capté? Voilà, donc du coup, Et mes gars, même eux, ils se sont mis une fois, et on a vu ce qui s'est passé, hein, les gars. Donc, c'est quoi? Il s'est passé ce qui s'est passé. Quoi? Reyes, tout ça, comment vous avez fini? Personnellement, il y avait Reyes à l'hôpital, et ça le va. Ok, moi j'ai jamais fini à l'hôpital. Ouais, c'est vrai. Putain, j'ai le démon, frère Bellevue, là, putain. Là, oui. On va attendre, hein. Vas-y, fais-le descendre. Vas-y, descendre. Ils sont trop cons, la vie de ma mère, ils sont trop cons. Ah là là, t'es tout beau en tout cas. Range ton tel. T'as chaud ou quoi? Mais pourquoi j'ai chaud? Pourquoi tu me dis j'ai chaud? En quoi j'ai chaud? Ah, je sais pas, on dirait, hein. Parce que t'as une doudoune. Ouais, non, mais c'est ma doudoune.
ma doudoune quand je sors, tu vois, attraper des gens, je mets la doudoune. Ouais. Toi, tu mets le costard, moi, je mets la doudoune. On n'a pas les mêmes moyens financiers. Ouais. Tu faisais quoi à pied tout seul? Ma vie. Ta vie? Reste avec lui, j'appelle le Diamond. Vas-y, t'inquiète. T'attendais quelqu'un ou quoi? Non, même pas, j'attendais un gars à moi. Parce qu'on était chassé par le LSP. Hey, laisse-moi juste appeler un appel. Et j'explique ce qui se passe. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Tu demanderas un requin, hein, tu demanderas un requin. Hey, je te donne 50k, qu'à toi. Qu'à toi. Je peux acheter un... Ben nique ta mère. Juste des bites. Pourquoi? Et tu veux quoi? Dis-moi c'est quoi? Tu veux... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Juste un appel. Non, je veux rien. Un appel, cousin. Hé, hey, Roca. Tu vas appeler qui, moi? En gros, le gars là que je devais faire son plan pneu. Je l'appelle, je dis juste c'est mort, je peux pas. Il sentira baisé, il va se faire péter, c'est tout. Hein. Les gars, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est qui? Un mec. Bah, dis-moi, c'est qui? Un mec qui faisait mes trucs. Un gars à moi. Tes trucs? Guapo. C'est vous avez fait le truc centre commercial? Non. Eh, hey, laisse-moi juste appeler mes gars, je leur dis ce qui se passe et que c'est mort pour le LSPG là. Je peux pas, parce que c'était moi le, la transaction. La transaction? Ils font que de m'appeler. Attends, tranquille. Tu demanderas à Diamond. Bah vas-y les gars, la vie de ma mère, vas-y. Finis ta phrase. Quoi, moi devant le regretter, c'est ça? Mais oui. On verra, hein, on sait pas de quoi il fait demain, on vit au jour le jour, je te mens pas. Les gars, vous aimez trop la vie, hein. Vous aimez trop la vie, vous, pour... On la déguste. Hein. Mmh. Bonsoir. Oh là là. C'est qui ça? Tu peux te démasquer aussi, hein. Tu vas bien? En tout cas, j'espère que ben, t'appelleras tes gars, tu leur diras de venir sur nous, hein, comme ils ont fait tout à l'heure. Hein? Tu sais que c'est de votre faute, hein. C'est eux, ils ont la langue trop pendue, on va dire. Ils ont fait quoi? Bah, Melo qui dit tout, hein. Il dit quoi? Tout le monde qui cherche, il dit. S'arrête et il dit, ouais, si t'attrapes des recs, appelle-moi, je te paye. Ouais, et ensuite? Bah, c'est de votre faute, hein. S'ils sont c'est con, quoi. Je lui ai parlé en face, hein, des recs. Là, c'est juste toi, Roca, t'es con, parce que moi, je savais même pas que vous bossiez avec Diamond. Maintenant, je le sais. Et tu vas assumer ce qui va se passer. Pas. Elle a vu ma mère, tu vas regretter. Je te mais le non, jure. Arrête, tu vas le regretter, toi. On verra. Tu fais même pas un peu peur. Okay. J'ai pas besoin de faire peur. Damon, hein. Y'a quoi? Je te mens pas, je suis pas là pour faire peur. Vas-y, c'est bon, les gars, je vous vois après. Vas-y les gars, hein. Cachez-vous bien. Hein. Ouais, oubliez la coke, hein. Si vous touchez, arrachez-le. Eh les gars, oubliez la coke, hein. Faites de... Je sais pas, y'a quoi comme bise? Eh, y'a le... Pawn shop là, je crois, ils vont. Raconte pas ta vie. Vas-y, va, allez-y, les gars. Hein. Ouais, y'a quoi? Vous êtes souhait, non? Tu peux ranger ton pétard, c'est bien, tout seul. Du coup, tes copains, ils viennent drive-by le Pacifique. Ils cherchent des recs. Ça nous tire dessus. Du coup, c'est parti, l'Ardenne. Hein? Là, Melo, ils sont venus en face de chez Derek, chez lui, cagoulé, sous Uzi. Ils ont tiré sur le Pacific Bluff, ils ont refait la façade, on a dû fermer. Ils ont touché quelques clients qui étaient présents. Tu mens, hein. Je te crois pas. Là. 3. Appelle, juste dis-moi oui ou non. Appelle Bellevue et demande-lui ce que je faisais depuis une heure ou deux. Non mais on m'a pas dit ton nom. D'ailleurs c'est pas toi que je voulais. Non mais j'étais avec mes gars, moi. J'étais avec mes gars, avec Bellevue, appelle-le. Avec Melo? Tout le monde, tous mes gars. On est avec Melo, Salty, tout le monde. Donc t'es en train de me dire que tout ça c'était pas prémédité, hein? Non, pas du tout, hein, pas du tout. Que c'est pas tes gars? C'est pas mes... pas du tout. Pourquoi lui tirer dessus? Pour moi, là, t'essayes juste de rattraper la chose en faisant croire que c'est passé un truc de fou pour que je me dise... Non, je rattrape rien du tout. Hier, on a été clair. Pour moi, regarde ce qui s'est passé. Melo a parlé à eux, là. Il leur a dit pour Derek. Eux, on balance. Et Derek a dit, bah, attrapez Melo. Sauf que eux, ont attrapé moi. On les a attrapés. Ils ont voulu choper Derek, c'est nous, on les a chopés.
Paradis, c'est simple, c'est soit je vous canne maintenant, soit vous m'attrapez Mélo. Non, mais je te crois pas. Mais je m'en fous que tu me crois pas. Moi aussi, je te crois pas. Maintenant, dans les faits, je te dis que tout à l'heure, il y a des mecs qui sont arrivés. Ils ont drive-by comment ça s'appelle, le Pacific Bleu. On était à l'intérieur. On était en train de parler à faire avec des personnes qui voulaient ouvrir. Impossible, impossible, ils ont pas fait ça. C'est impossible. Et au téléphone, il a appelé devant moi tes gars, là, le Edinson ou Adilson. Il lui a bien dit j'ai R3. T'as vu, il a rien dit du tout. Tout était. Oui, non, mais c'est pour ça que je suis venu. Ben voilà. C'est pas toi que je voulais. Donc, c'est même pas Mélo. Je pense que même Mélo, vous le vouliez même pas. Moi, c'est Mélo que je veux. Moi, c'était Mélo que je veux. C'est lui qui a les drive-by. C'est lui qui était devant chez Derek. C'est lui qui, après, on a scruté au centre commercial. Ils m'ont juste dit que c'est toi qu'ils ont attrapé. Je suis venu parce que, voilà, quoi. J'ai pas envie de te faire de mal. Juste te faire comprendre. Sommes-nous en guerre, oui ou non? Dis-moi juste oui ou non. Je te laisserai partir. Je fais une guerre propre. Mais dès qu'on part d'ici, je te promets que tu veux. En fait, je comprends pas. Tu vois? Et où, Derek? Viens. Je suis là. Viens, viens. Il t'a proposé quoi exactement pour cette histoire de mannequinat, là? Dis-moi les choses. Dis-moi les trucs d'agence, machin. Après, le problème qu'on a eu là, c'est qu'il voulait ma place. Il t'a dit qu'il veut être à la même place que moi. Tu penses vraiment qu'il va. Il veut juste être en. C'est en partenariat ou tu veux sa place, R3? Je sa place pour faire quoi? Tu vois, pour faire quoi? C'est la question. Je demande en R3. Écoute. Tu m'as dit quoi chez toi? Nous ne sommes pas en guerre. Je ne veux plus de l'agence. Puis voilà, tranquille, ce n'est pas nous pour le Pacifique. Allez, appelle Bellevue, il te le dira. Parce que ça fait une heure ou deux, on est avec lui, là. On a eu des problèmes. Donc, je peux pas faire ça en même temps, c'est impossible. Et pourquoi, je sais même pas, il habite où. Pacifique, tu m'as dit. Pourquoi tirer sur le Pacifique? C'est quoi le rapport avec Derek? Parce que c'est lui qui le gère. Tout le monde le sait. Y a rien, y a pas de galère, y a rien du tout, les gars. Je pars. Tu sais quoi, vas-y, appelle Mélo. Hein. Je lui dis quoi? Dis-lui de venir ici. C'est impossible, les gars. J'étais à pied, c'est pas pour rien. Tous mes gars, ils sont avec le LSPD en chasse, tout ça. C'est impossible. Non, mais là, il était au centre commercial. Était au centre commercial. Parce qu'ils sont venus me chercher. Mais là, ils doivent gérer le truc sans moi. Là, ils sont en train d'allumer des keufs. Passe-moi son numéro. Je viens de le voir au centre commercial. Il est en train de s'habiller tranquille et de manger au Burger Shot. Donc, ne me dis pas qu'il doit allumer des keufs. C'est impossible, Tu mens. C'est impossible. Mais on vient de dire les R3. Pourquoi vous l'avez pas pris? Il y avait les flics juste à côté. On t'avait toi. Mais c'est pas Mélo que vous voulez? Oui, c'était Mélo, mais eux, ils t'avaient déjà chopé. C'est pas toi que j'avais demandé. C'est juste qu'apparemment, vous avez un contentieux entre vous qui est un peu plus profond que cette simple histoire avec. Mélo, il obéit qu'à mes ordres. Moi, c'est moi qui t'a menacé, Derek. C'est moi. Oui. Bah quoi alors? Je sais pas, c'est toi de me dire. Pourquoi vous voulez Mélo? Mélo, il a rien fait. Il a rien à voir, il te connaît même pas, il s'en fout. Pourquoi tu veux Mélo? Mais parce que c'est un de tes hommes. C'est toi qui l'aurais potentiellement envoyé si tu voulais t'en prendre à Derek. Envoie le numéro de Mélo, là. Je vais tirer ça au clair. On va chercher midi à 14h, on va le voir au centre commercial. Il était pas en course poursuite avec personne. Il était bien tranquille. C'est le 792-05. Putain, c'est avec ça que je bosse. Ah là là. Ah, de soucis. Attends. Elle est gagée. Imaginez, Bellevue s'est fait péter. Est-ce que je peux juste appeler Mélo? Est-ce que je peux juste appeler Bellevue? Non. Ah, t'es où là? T'es où? Là, Bellevue, normalement, il va se dire. Surtout si c'est fait attraper. Hein. Ouais. Bon, alors. Si c'est pas fait attraper, ça reste pareil. Du casino. En mode wesh. Il se passe ça, il y a les keufs qui débarquent. Mais... Diamond, il attrape moi en ça, même temps. Là c'est bizarre. Ok. Vas-y, y'a pas de problème, je vais te donner une adresse. Vas-y, à tout de suite. Allô? Ils sont vachement en course-poursuite, R3. Bah laisse-moi appeler... Bah appelle Bellevue. Appelle Bellevue. Il a vécu en course-poursuite. Dis-lui que tu m'as attrapé. Dis-lui que tu m'as attrapé. Dis-lui, regarde, j'ai R3. Je l'ai même pas. Dis-lui, j'ai R3 en otage. Je l'ai. Qu'est-ce que tu fais? Dis-lui, tu m'as en otage et demande-lui qu'est-ce qu'il fait. Tu veux quoi, là? Arrête de te foutre de ma gueule, toi, je vais t'arracher aussi, là. Tu veux quoi? Comment ça, un avocat? T'as besoin d'un avocat? Dis-lui que tu m'as en otage, dis-lui. Dis-lui, cousin. Je connais pas d'avocat. J'ai une question, tu t'es fait arrêter? Comment ça, plus ou moins, t'es tout seul? Bah ouais, et à cause de toi, t'as vu, à cause de toi, donc t'assumeras ce qui se passera après, hein. T'as dit quoi? Yes. Bah... Qu'est-ce qu'il me raconte?
vais sonner en... Ouais, allô Mélo, t'es disponible ou pas? Es-tu disponible, s'il te plaît? Il y a une petite urgence, là. Il y a moyen qu'on se voit? Je crois qu'il a eu des soucis. Ah, je vais t'expliquer, il faut juste qu'on en parle. Vas-y. Non, mais c'est bon. Les gars, du coup, c'est le perso Azouaf qui a balancé la transac. Mais il est sur The Forest. C'est bon. Il arrive, ton gars. J'ai eu belle vue au téléphone. T'es là ou pas? Ouais. Je te disais, j'ai eu belle vue au téléphone. Moi, je veux juste qu'on soit clair, tu vois. Enfin, on perd du temps pour rien. Juste dis-moi si tu veux la tête de Derek. Après, tu comprends que moi, je suis pas... Mais je lui ai dit. Je te l'ai dit. Je peux pas être plus clair. Donc, Mélo n'a rien à voir. Je sais même pas s'il est au courant un peu vite fait. Donc, bon. Mais, tu me dis que c'est toi qui donnes les ordres. Les gars, mais en fait, qu'est-ce que vous cherchez? Mélo va venir pourquoi? Là, je suis en train de vous le dire, oui. Non, mais s'ils veulent tuer avant, je vais tuer tes gars avant, en fait. Comme ça, En fait, il y a un truc que tu comprends pas. C'est que là, vraiment, j'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec toi. Si tu ramènes Mélo, je comprends pas, en fait. Mets lui la balle en pleine tête. Mets-la lui. Donc, c'est ce que tu veux, c'est juste ça maintenant. C'est ouais, les couillons, comme dans la rue. Moi, je reste un mec de rue, hein. Ça veut dire, les gars, vous voulez agir, on agit, hein, c'est tout. C'est pas nous qui voulons agir de base. On vient de se faire drive by au Pacifique, tu comprends que nous on a... Mais vous mentez, ça arrêtez, oubliez, arrêtez de me sortir ça. Ça, qu'est-ce que vous me racontez ça? Mais rien du tout, je te mens pas. Moi, écoute, tous les employés m'ont appelé. Il y avait des balles, des douilles et tout. Il y avait plein de cops. Je suis arrivé, ils ont fait un barrage de cops tellement il y avait du monde. Non, c'est non. Bah si, tu peux pas remixer. Non mais j'ai rien à voir vu que là t'appelles Bellevue, mais tu voulais pas. Soit visiblement Bellevue il est complice, mais tu lui as pas parlé, tu lui as pas dit exactement, tu lui as pas mais demandé non, que c'est vrai. Il s'est fait arrêter. Ouais, mais pourquoi tu lui as pas parlé de moi, tu lui as pas parlé de qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il me faisait comprendre entre guillemets, il me disait oui bonjour monsieur l'avocat, j'ai absolument... Ouais, parce qu'il s'est fait arrêter, parce que là je viens d'envoyer. Moi, j'allais m'occuper de le sauver là, du LSPD, mais là, les autres m'ont pris. Donc là, Bellevue s'est fait attraper à cause de ça là. Mais ça fait une heure qu'on est en chasse, hélicoptère, tout ça. Avec le LSPD. Non, mais je te crois, R3 par rapport à ça. C'était à quelle heure les tirs? C'était avant ça. C'était déjà une heure et demie. Allô? Ouais. C'était quoi un peu? Moi, les gars, Mélo n'a rien à voir. C'est moi. J'ai parlé droit dans les yeux à Derek. Non, les gars, vous avez voulu agir? Agissez, finissez le truc jusqu'au bout. Il y a des personnes qui nous ont... Vas-y. Le drive-by, ça oublie, ça c'est vos histoires. 23h, vous avez des ombres. Mais ça, c'est pas nous. Donc ça, réglez ça avec je sais pas qui, je sais pas qui a fait ça, mais c'est pas nous. Et je l'aurais dit, moi, c'est pas mon style hein, de venir tirer sur des murs et ne rien dire. Maintenant, il y a un truc Damon, c'est genre, il y a pas... Il y a Roca qui avait appelé Mélo lui a dit, ouais, je vais direct dans 20 minutes. Comme ça. C'est pour ça que Mélo, il savait que... Oui, il lui a dit ça aussi. Mais je sais très bien, il prend pour un con. Il croit que... Mais j'ai dit oui. À quel moment je vous ai dit que non, c'est faux, qu'on voulait Derek? Ça, oui. Mais Mélo, il a agi comme un autre. Guapo a dû sûrement appeler quelqu'un. Salty a dû sûrement appeler quelqu'un. Tout le monde, même ma soeur, enfin, n'importe qui. Mais c'est moi. Ça vient de moi. Pourquoi? Parce que bah, Derek, là, bah, pourquoi il vous explique pas Derek? Hier, on a parlé droit dans les yeux. De poser une question ensuite. C'est pour ça. Moi, je... En gros, moi, ce que je capte pas, c'est pourquoi il y a tant d'accords qui sont mis en place, etc. Et tout est niqué parce que tu as tout pris la tête de Derek pour une histoire de mannequinat, alors que de base, il y a grave des trucs en place. Il y a grave le casino, il y a plein des trucs en place. J'ai tout expliqué à Diamond hier. Je lui ai dit, moi, pour un truc, des fois, il y a des trucs... qui tiennent à cœur, et je peux partir en couille pour ça. M'en bats les couilles, moi. Casino, truc... moi, demain, moi, je peux normal repartir dans la rue, et je n'ai aucun truc, aucun boulot. Moi, j'en ai rien à foutre. Et là, tout ça, pourquoi? Parce que ça part de quoi? Mais je sais très bien, tu sais très... De quoi? Ça part de quoi, ouais? Je dis, non, tout je ça, sais, ça part de... Derek, question, ce que t'as où fait. Je lui ai proposé un projet,
Même c'était, je sais pas si c'était eux là autour qui étaient là, mais il y avait des gars avec lui. J'étais là. C'est toi qui as dit à Derek. Ouais, le truc voilà. De télé-réalité, c'est lourd. Derek fait le mort. Il fait le mort. Je lui dis, mais moi je vois pas pourquoi. Au pire, il me dit non, il me sort des trucs un peu, vas-y, bon bah les couilles. Mais non, il fait le mort, il se comporte comme un lâche, hein, à pas répondre à truc. Hier, je lui dis, écoute, dans une heure, tu me dis pas oui ou non, tout ça, t'assumeras, je vais te niquer ta vie. Et quand j'ai niqué ta vie, c'est quoi? Derek, j'ai dit, je vais te faire quoi? Mais comment ça, je comporte comme un lâche? Ton numéro, il est même pas enregistré dans mon téléphone. D'accord. Quand j'ai dit, quand je vais te niquer ta vie, quand j'ai dit, je vais te niquer ta vie, c'est quoi? Bah, tu vas le tuer, je sais pas. Non. Mais il le sait, laisse-le parler. Regarde, Derek, vas-y, dis, c'est quoi? Et quoi, le tatouage sur mon front? Voilà. Ensuite, toi, tu m'as dit quoi? J'ai dit, je te ferai la main. Voilà. Ensuite, moi, je t'ai dit quoi? Tu m'as dit, bah, fais, et tu me tues, je sais pas quoi. Et toi, tu m'as dit quoi? Mais j'ai dit, vas-y. Et tu dis quoi? Oh, tu m'as R3. T'as dit, t'as menacé, là, t'as remixé un peu. Bref, t'as menacé, t'as parlé. Comment ça? Hier. Dis-moi. Bah, hier. Bah, Derek, cousin. Non, mais qu'est-ce que je te dis? Il a pris sa décision. Vous pouvez pas trouver un terrain d'entente. C'est comme ça. Je vais canner les gars et puis à faire une guerre de couillons. Vas-y, bref. Bah, les gars, moi, je signe quand même. Je te donne même pas l'heure. À propos de quoi? Prenez vos straps au cas où. Faites ce que vous voulez, les gars, mais. Ah, mais c'est toi qui as décidé ça. Moi, de mon côté, comme je t'ai dit, j'avais réfléchi. Non, c'est toi, regarde. T'as envoyé des gars, On aurait pu trouver un terrain d'entente, et dans les faits, voilà. Qu'est-ce que soit-il, voyons. Moi. Vas-y, R3, tu vas. Entre les gars, là, au Pacifique. Ouais. C'était vous, du coup? Non. C'était pas vous? Non. Pourquoi il y a eu quoi au Pacifique? Il y a eu un drive-by. Il y a des mecs qui ont allumé. Mais pour moi, c'est faux, les gars. Pourquoi c'est qu'ils mentaient? Il y a 20 minutes de choper Derek. Vrai ou faux? Donc, nous, on est encore dans les drive-by. Bah, j'en sais rien, apparemment. Vous êtes mais Diamond, pourquoi tu leur poses la question? T'as juste appelé Bellevue. Parce que cette histoire est plus la merde. Tu comprends que ça me rend ouf? Vous me faites perdre. Appelle Bellevue, ça règle tout. Le drive-by, on n'en parle plus. Là, on doit plus en parler. Appelle Bellevue et demande-lui ce qui se passe depuis une heure ou deux. T'étais pas à Rockford Hill là il y a 20 minutes? Devant chez Derek? J'étais nulle part, frérot. T'étais nulle part il y a 20 minutes, t'étais pas au centre commercial? Bah, au centre commercial, je suis parti récupérer un véhicule après avoir fini le plan mule à R3. Et après, du coup, vous devez choper Derek ce soir. Qu'est-ce que tu me racontes de Derek? Derek, qui calcule ce. Non, mais ça, je leur ai dit, je leur ai avoué. Ta bouche, il vient de me le dire, arrête de mentir, dis la vérité. Qui t'a dit quoi? R3 vient de me le dire, R3. Mais gros, qui le calcule? Qui le calcule ce Derek là? Qui le calcule? Attends. Mais regarde, parce que moi. Eh, hey, Mélo, est-ce que t'as appelé? Dis-moi la vérité. Hein. T'as appelé les gars Reyes pour Derek? Ma mère, j'ai appelé personne. La vie de ma mère. Bah voilà. Pour moi, t'as vu hier. C'était toi là. Ce qu'elle est en train de me dire. Qui? Tu disais. Oh là là, mais la vidéo, oh, je vais péter un câble. Donc là, t'es en train de me dire que les mecs de Reyes, ils ont inventé, ils ont dit qu'il y a des mecs qui sont venus pétarder avec des M16 et qui les ont menacés 20 minutes, tu devais récupérer Derek. Maintenant, ils sont venus me donner l'info. Ils m'ont expliqué que vous aviez... Arrête de mentir, Diamond, ils ont rien dit, les gars, Reyes. T'as vu, je vais te dire... Tu me prends pour un con. Tu me parles, mais je te prends pas pour un con, tu me parles de M16. Le seul moment où on a sorti la M16, c'est maintenant tout de suite. Maintenant, frère, on est maintenant tout de suite. Elle est entre mes mains. Donc là, tu m'assures que vous voulez pas Derek, mais putain, vous avez même pas coordonné vos violons. R3 vient de me dire que oui, tu me dis que non. Mais regarde, en fait, regarde. Moi, je le veux, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais les autres sont même pas dessus. C'est ça, moi j'ai parlé à Derek hier. Le problème, c'est qu'on a une version différente qui dit que Mélo. Ramène-les, parce que c'est faux. C'est faux. Moi, quand Roca il m'a pris, il m'a dit quoi? Ouais, vous avez tué un gars à moi parce qu'il a balance. Mais c'est pas une balance. Après, je dis, mais comment. Oui, après, moi je dis, mais comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Il a balance. Après, il me dit, non, il a juste dit, c'est les gars Watts. Bref, je dis, bah c'est balance. Elle me dit, ah ouais, bref, mais de toute façon, je t'ai pas attrapé pour ça. Et là, il fait, ah ouais, allô, Edinson, ou je sais pas quoi. Ouais, j'ai R3. Et voilà. C'est ce qui s'est passé. Diamond, c'est simple, s'il a menti, ben, on lui arrache sa grand-mère. Tu vas arracher qui, toi? Et pas toi, je parle de celui qui nous a donné l'info. Eh, vas-y, vous êtes des menteurs, hein. Diamond, y a pas à nous, les gars, tu mens. Pas un menteur, mon gars, t'appelles Sony, pas un toi. Sony. Pas un menteur. Bah, appelle-moi Sony comme tu veux, j'en ai rien à faire. T'es un menteur, Diamond. T'es un menteur. Le problème, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que moi, y a pas de souci. Tu veux prouver ou je ne sais quoi. Moi, je t'explique juste. Moi, je prouve rien. C'est toi qui m'attrapes. C'est moi, j'ai rien fait, moi.
Moi j'ai rien fait. C'est pas, c'est lui là que je voulais. On était au centre commercial, on l'avait sous la main. Mais Mélo n'a rien. Et il s'est barré en jacal. Mais regarde. Quoi? Je vais au centre commercial. Je suis parti récupérer comment ça s'appelle? Le 4x4 là. L'astron. Parce que Sony, ça veut dire menteur. Je sais pas. Il m'a matrixé, Cooper. Parce que cette jacal, là, c'est qui avait cette jacal au centre commercial? Personne n'avait cette jacal, elle vient d'être sortie. Elle était pas au centre commercial. Je suis parti au centre commercial, c'est pour récupérer l'astron. Et en gros, j'ai appelé un mécano qui me l'a réparé. Donc, je sais pas si tu m'espionnais. Quelle bande de mythos, c'est aberrant. Si tu m'espionnais, t'aurais vu que la voiture a fumé sa grand-mère. Parce que quand je l'ai sorti du garage. En fait, Mélo, ils ont juste à parler à Bellevue. Bellevue va tout leur expliquer. T'as vu. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent se mentir à eux-mêmes. Ils veulent pas. Mais on se ment pas à nous-mêmes. Mais il s'est fait arrêter après. Non, il n'y a pas 20 minutes. Il s'est fait arrêter à l'instant, au moment où vous m'avez attrapé. T'as vu, après. Parce que je devais lui assurer sa sécurité. T'as vu. Non, vous êtes bon pour oui, j'étais là. Déjà. Rien à dire. On dirait que je vais aller te serrer comme ça juste parce que moi j'en ai rien à foutre de cette histoire. Pour moi. Dans les faits, bien sûr que je suis parano, les gars, je suis obligé. T'as raison. Bienvenue, messieurs. Du coup, Luciano. En fait, pour moi, Diamond, il s'est fait un peu engrainé par. Ils sont complètement différentes. Du coup, ces hommes, enfin. La personne en face de moi. Ils sont venus, ils ont tiré au début du coup pacifique. Moi, je sais pas. Parle plus fort, s'il te plaît. Ouais, n'hésite pas. Du coup, ils étaient masqués et tout. Ouais, c'est bon. Ils étaient masqués et tout. Du coup. Je savais pas, j'ai pas trop compris et tout sur le moment en fait pourquoi ils nous ont attrapé. Nous, ils ont demandé avec qui au Pacifique. J'aurais dit il y avait deux Renois et les deux serveurs. C'est tout. Et ils m'ont dit ok. Je dis, vas-y, dis-moi, tu cherches qui, je peux te l'avoir. T'as vu dans la soirée ou quoi, s'il faut, je peux te l'avoir. Sur le moment même, je dis ça. Il m'a dit, vas-y, t'es qui, dégage. Je dis, t'inquiète, tu peux me dire tout moi pour de l'argent. Masquez-vous. Ah ouais, Diamond, t'as vu? C'est genre, non, c'est pas ton masque, Diamond, arrête de paniquer, Diamond. On va voir, Diamond. Quelle boîte tu te chauffes. Le casier judiciaire. Non, j'ai pas, je te jure. On en a pas, frérot. Tiens, je prends le bon match, tiens. Ah ouais. Non, les gars. Je m'en bats les couilles. On m'a rien à branler, moi, je suis là, moi. T'as un truc sur toi. Je fais quoi? Viens. Mais, je t'ai donné mon masque. Tu peux rester là, tu vas pas y aller le SWAT là. Vas-y, moi je reste. Vas-y, portez vos couilles, on reste tous. Vas-y, restons. Vas-y, viens, on reste. Restons. Vas-y, reprenons là, Luciano. Du coup, je lui dis exactement. Du coup, qui tu cherches qui et tout. Sur le moment même. Du coup, il me dit. Il reste vraiment. Je te passe un billet direct si je dis, est-ce que tu peux me l'envoyer. Moi j'ai pas d'armes, j'ai rien. Les gars, celui-là, là, c'est par pitié. Attends. Mélo, je te promets, tu parles encore, on s'arrache ici. C'est bon, tu veux faire le malin, moi j'ai pas ton temps. Laisse terminer. Mélo, parle bien, tranquille. Tranquille. Tranquille, du coup. Sur le moment même, sauf que il me dit ça, mais il savait pas que je travaillais avec Diamond. Du coup, moi je prends en compte, je dis vas-y, ok, pas de problème. Du coup, juste après ça, je préviens mon équipe, enfin, Roca, ça. Je leur dis que vas-y, faut qu'on fasse un truc, on prévient Diamond. Du coup, je préviens Diamond de ça. Et c'est tout. Du coup, j'ai. Comme ça. Après, je lui ai fait croire que je me suis fait péter par toi, Diamond, côté Rockford Hill. Wesh, ils ont des couilles, frère, de ce qu'il veut. Hein. Mais. Ok. Attends. T'es un gros mytho, toi, Mélo. Ta vieille gueule. Il est juste con. Hein. Donc, moi, je vais attraper un mec, je suis masqué, je vais lui dire, pète-moi un truc, je le connais d'un idée. Va arrêter de con, Diamond. Réfléchis deux secondes. Je suis pas con, je sais pas. Je sais pas, peut-être moi. Moi, je sais qu'est-ce qui se passe. Becté, hein. Ouais. Passe-moi Mélo, je m'en bats les couilles. Moi je sais ce qui se passe. Y'a personne, tu vois. Moi je sais ce qui se passe. Eux, ils ont perdu leur frère. Parce que je l'ai tué là il y a quelques jours. Parce que c'est une balance. Et eux, ils savent que c'est une balance. Ils ont voulu faire un petit coup de Trafalgar. Pour nous deux. Nous embrouiller. Alors que notre embrouille, y a pas d'embrouille. C'est juste moi et Derek. C'est Derek et moi. T'as vu? Lui et moi. Je n'ai rien à voir, pas le reste. C'est une affaire de Derek et R3. Qui se réglera Derek et R3. C'est tout. Non, il n'y a pas d'Eric R3, mais c'est complètement logique, je m'en fous. Le seul moment où je l'ai appelé, c'est pour un mécano. On va pas niquer tous nos accords, des millions de dollars en jeu, tout ça, pour ça. C'est que tu veux niquer toi-même, parce qu'il t'a... C'est toi qui veux niquer. Les gars, sois pas bête. Regarde, vous avez... Comment ça s'appelle? Je l'arrache, parce que comme il t'a dit,
Je te promets, je leur fais plus confiance qu'à toi. J'en ai rien normal, à foutre. Normal, normal, ouais, ouais, ok, ah, d'accord, d'accord. Dans tous les cas, attends, Mélo. Nous, quand t'as niqué ce lit, on a fait quoi? On a fait quelque chose? Je l'ai frappé, ce lit. Je lui mets un tu l'as frappé. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Qu'est-ce que tu m'as dit pour ce lit? C'est vrai, c'était quoi déjà? Un truc de 200 000 ou de l'argent ou un truc comme ça ou des parts. Puis même, la dette, elle était épongée parce que je venais pas pour le plan là dans le nord. Oui, exactement. Exactement. Tu m'as dit, bah, pour la peine, ton gars, il retourne chez lui. Donc, moi, de principe, on avait une table rase. Non, R3, c'est soit t'as une parole, soit on s'encule maintenant. Moi, le problème, en fait, c'est que je suis rationnel. Dans les faits aujourd'hui, Mélo, c'est un mytho. Tes gars aussi. T'as voulu me la mettre à l'envers, me faire passer pour un con. Maintenant, c'est aussi simple que ça. Choisis. Choisis quoi? Choisis un de tes gars, tu le fais avec tous les autres. Choisis. De quoi? Tu veux en fumer un? Tu veux fumer Derek? Est-ce que tu veux fumer Derek? Oui? Bah vas-y, choisis-en un, toi. Non, la question que je t'ai posée, oui? Écoute, tout dépend de ce qui allait se passer, c'est tout. Moi, de mon côté, comme je te dis, sans trop un arrangement... Je l'ai déjà expliqué. Vas-y. Je l'ai déjà tout dit. Y a pas... Je l'ai déjà tout dit. C'est tout. Et j'ai besoin d'une réponse claire, R3. Je te promets que tu me donnes une réponse claire. Veux-tu tuer, mettre fin à la vie de Derek, oui ou non? Et je te promets qu'on en termine ici. C'est aussi simple que ça. La balle est dans ton camp. Tu veux, tu me parles d'accord, tu me parles de choses, tu deviens rationnel. Moi, de mon côté, je le serai avec toi au possible. Non, décide-toi. Mais les gars, j'ai pas fumé un de mes mecs. Non. Non? Bah non. Ça parle d'être un gangster. Vous arrachez-vous, bande de bouffons. Donne-moi ton nom, Damon, c'est moi, je vais compter. Mais frère, les gars, encore heureux. Les gars, partez, moi, y'a rien. Et je te promets que s'il se passe quelque chose, tu vas voir. Vas-y. Hey. Laissez. Partez en dernier. Ah non, mais je m'en fous. Il était serein, c'est pour ça qu'il voulait rester petit filou. Vas-y, va. Attends. Vas-y. Va là-bas. Et suis les autres, ramène-les aux autres. À l'aide. Mais les gars, je vais pas dire oui plus pour fumer un de mes gars. À l'aide. Bonsoir. À l'aide. Bonsoir. J'étais pris en otage. Ah bon? Oui. Ok. Juste par mesure de sécurité, monsieur, on va juste vous fouiller. Vas-y, je vais soulever. Décalez-vous juste du blindé, parce que ça va être compliqué. Ah ouais, je vais vous mettre juste derrière, s'il vous plaît, parce que ça va être un peu compliqué de fouiller sinon. Décalez-vous du blindé, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, on pourra pas vous fouiller sinon. Ouais. Putain, j'aurais dû dire. En fait, je suis con, j'aurais dû dire oui, ça aurait tiré. Après, bon, c'est la merde après. Qu'est-ce qui vous est arrivé du coup? Des malfrats qui m'ont pris en otage. Pour quelle raison? Okay, je vois que vous avez un chargeur là dans la poche, c'est qui vous l'ont donné ou... Ça c'est celui de mon père qui est décédé. C'est un chargeur de votre père. C'est ça. Non, il est vide le chargeur. Non, enfin, je sais pas, je l'ai pas ouvert, okay. Mais. Ah non, monsieur, vous savez s'il est vide ou s'il est vide, c'est pas dérangeant, mais. Je crois qu'il est vide, je pense. Ok. Après, j'ai un petit gramme de meth. C'est pour me. C'est ma petite consommation perso. Qu'est-ce que vous voulez du coup, les individus? Bon, je sais pas, délire d'héritage. Ils voulaient que je. Je sais pas quoi, je signe un papier. Mais du coup, vous êtes arrivé, ça a tout annulé, ils se sont barrés là. Ok. Vous avez vu, reconnu des individus Non, mais de toute façon, vous êtes arrivé à temps, vous avez vu, non, je crois. On a vu un groupement d'individus avec des armes, quoi. Mais... Ah, vous avez pas vu les visages? Non, on n'a pas. Ah, bah... On n'a pas eu le temps, non, malheureusement. Ah, dommage, alors, je pourrais pas vous dire, hein, mais bon. Mais. Il y avait juste. La. Je crois que c'est la Jackal. Ouais. Eux, c'était des. Enfin, ils avaient. C'était ceux qui avaient le moins à voir, quoi. Ils venaient pour ma libération. Mm-hmm. Ok, c'est ça tout. Marche. Le reste, je sais pas. Ça marche. Vous avez quelqu'un qui peut venir vous récupérer, là? Y a pas... Ouais, je vais appeler un taxi ou quelque chose, hein, vous inquiétez pas. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas juste, monsieur, pour la déposition. L'Arden Bishop. Arden Bishop, parfait. Et comment ça s'est passé? Il y a eu un appel? Qu'est-ce qu'il y a eu?
Non, juste on patrouillait dans le secteur. On faisait nos checks habituels. Ok, ok. Ouais, je pense que c'est un coup de chance pour vous, on va dire. Vous avez eu de la chance. Heureusement, heureusement. Merci. Voilà, non, pas de problème. On est arrivé au-dessus, on a choqué. On n'était pas trop prêt à voir ça, je vous avoue. Du coup, moi, je peux y aller, du coup. Ouais, vous pouvez y aller. Ouais, vous pouvez y aller. Merci. Allô. C'est la merde, là, on est en train de s'enculer avec la police, là. Comment ça, ça tire? Ouais, ça tire de niquer. Mais à qui? Y'a que votre patrouille, y'a qui d'autre? On a eu 3 patrouilles sur nous. Et les autres? Je sais pas, on était les 4. Mais quoi, ça a tiré? Pourquoi ça a tiré? Aucune idée, bon, on est descendu. Parce que on était bloqué et c'était là, il te 3 voitures. Oh lolo, vas-y, vas-y. Après, on est en train de cavale, on est 3 là. Vas-y. On a perdu Mélo. Vas-y. Oh la D. Aïe. Putain. Ouais, ça devient quoi, what? Allô. Allô, cousin. Eh, écoute, j'ai mes gars là, ils sont tous sous plomb, ils se sont fait allumer leur grand-mère par le Speedy. Ouais. Ça veut dire que je sais pas comment, si t'arrives à m'en sauver un ou deux sur tout ce qu'ils ont, je te mets bien, mais t'as vu plus que bien. Plus que bien. Vas-y. Je les ai vus, ils sont 4. Ils sont 4. Voilà, vers Watts, ouais. Pétardé à mort, hein. T'as vu, y a un M16 et une AK. T'arrives à me sauver au moins ces deux-là, le reste m'en bat les couilles. Vas-y, je fais. Mais là, ils sont entourés de keufs, hein. C'est plus à l'hôpital, je sais pas comment ça va se passer, faut voir. Vas-y. J'ai des trucs dans le seul problème, j'avais des sales rendez-vous, je vais annuler, tranquille. De toute façon, là, ils vont fermer la frontière, donc. Vas-y, je m'en occupe. Apparemment, il y a une vente aux enchères, c'est pour ça. Mais vas-y, je te sors. Oui, dites-moi. Vous êtes occupé là? Plus maintenant, dites-moi. Je vide le sud jusqu'à demain. Quoi? C'est-à-dire? Je vais monter tout le monde dans le nord et je ferme les frontières. Ok. Pourquoi? C'est quoi le but? Dites-moi. Il y en a plein. Demain, il y aura une grosse vente aux enchères. Il n'y aura que dans le nord. Donc, ceux qui veulent y participer, il faut qu'ils viennent dans le nord et soient enfermés dans le nord. Et je vais tous les mettre à l'hôtel de Saint-Fichard, là, tout le monde, pour voir un peu l'extension, qui est avec qui et comment ils réagissent ensemble. Ok. Et il y a du monde, là? La plupart des 7 montres, hein, je crois. Ok. Il y en a juste un qui... Salazar, moi j'ai demandé son aide, parce que mes gars, là, ils sont tous... ils sont fait éteindre, là, par le SPD. Tous mes gars. Tous. Tous surarmés en plus. Donc là, je sais pas ce qui va se passer. Ah oui, vous êtes dans la sauce, hein. Ouais. Et bah, il faudrait peut-être venir au nord, Pipi. Ouais, mais là, je règle mes trucs avec mes gars et je reviendrai, je vais voir. Y'a qui est dans la sauce aussi avec vous? C'est que nous. Que vous? Ouais. Et pourquoi on m'a parlé de Lazare ou je sais pas quoi? Bah, c'est le Salazar, il va venir avec ses gars pour essayer de sauver des gars à moi. C'est qui? Lazare, vous voulez dire? Salazar. Je sais pas qui c'est Salazar, moi. Bah, il m'a dit qu'il devait venir au nord. Quelqu'un l'a mis au courant, mais je sais pas. Il fait partie de quel set ou quel truc? Oula, je connais pas le nom, hein. Mais je vous rappelle. Ok. S'il y a besoin, vous m'appelez. Merci. Nouveau penthouse, ça dit quoi le sang? Scam. Allô? C'est comment? T'es où?
Je suis dans le nord là, carrément là, ça va chauffer là. Ah, tu restes là-bas les deux jours? Ah, sans blague, ah mon gars, obligé. Pourquoi y'a quoi là-bas? En fait, c'est quoi? Mais venez aussi, vous êtes des cousins, tous mes gars ils sont sous M16 pétardés par les keufs, c'est fini pour eux. Où ça? Dans le sud. Quoi? Mais tes gars là, ils sont finis là. Je sais pas. Hein. Mais t'as besoin d'aide ou quoi? T'as besoin d'aide? Bah je sais pas cousin, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont en gros ils se sont fait éteindre là, il y a les pompiers entourés de keufs. Je fais quoi? Mais ça part de quoi ça? Vous avez fait dingue? Ça part de Diamond, les gars Reyes, ils pètent. Eh hey, truc de merde. Mais moi je pars en guerre, je vais tout baiser sa mère la pute, hein. Je vais tout baiser, t'as vu? C'est bien. Contre Diamond, les gars Reyes, je vais tous les éteindre. Tous. Oh c'est réel. Ouais. Parce que là ils ont tout baisé et là. En fait, vas-y. Ça serait pas fini comme ça. Ça aurait pété, mais vite fait. Là, j'ai perdu 4 gars à moi. Mais là, vu ma mère, ça partit en couille. En plus, il y avait grave des voitures. Diamond démasqué pendant grave longtemps. Mais non, c'est mes gars cousins qui se sont fait éteindre. En gros, moi, je t'ai pris en note. En gros, je t'explique. Moi, ça part d'une transaction. LSPD qui débarque. Hélicoptère et tout, hein. Bref, ça part en chasse, tu connais, hein, plan mule sur plan mule, ouais. Je finis à pied solo. Et là, il y a une voiture Arias qui passe, et ils me prennent, ça, ils me braquent. Ils me ramènent à Diamond, ils perdent leur couille. Ouais, mais c'est pas toi qu'on voulait, mais vous avez drive-by, je sais pas quoi, le Pacifique, alors que c'est faux. T'as vu, ça fait 2 heures, on était là avec les keufs, bref, c'est faux. Ouais. Au final, les gars Arias, ils viennent, ils me disent si c'est eux, ils ont fait ça, je sais pas quoi. Les keufs, ils débarquent sur place. Diamond démasqué, tout le monde sous AK, grave des gens armés. Il y avait mon équipe. L'équipe à Diamond, les gars Reyes. Mais il n'y avait pas Reyes. Et Diamond démasqué grave longtemps. Hein. Ouais, et ouais, après un ouais. moment, ils partent tous en voiture. Et c'est ma voiture qui s'est fait suivre et qui se sont fait éteindre. Mais attends, mais tes gars là, ils vont s'en sortir, ils vont à l'hosto, hein. On va les soigner. Ouais, mais qu'est-ce que mes cousins, ils ont allumé des keufs. Ça veut dire, je sais pas. Ils vont bien prendre, hein. Ils vont manger. Ah la dinguerie, jure. Donc là maintenant c'est R3 Diamond. Je sais pas quoi ça. Putain, t'es dans la merde. Mais là, on attend de là. Donc là, avec tout ça, en plus là maintenant ce qui va se passer, donc là, tu vas rester dans le sud là. Après, tu connais, hein, moi je vais en hélicoptère ou quoi. Hein. Bah les couilles. Ouais, oui. J'ai capté. Putain de merde. Non, c'est réel. Mais là. Oh la dinguerie. Oh. T'as tué. C'est pas des lol. Non, mais. Attends, mais là, ça veut dire que Reyes et même son alliance. Non, même pas. C'est pas une alliance. Non, c'est en gros, ils ont bossé pour eux. Par contre, ils sont cons, eux. Parce que t'as vu, moi, je savais pas ça. Hein? Moi, je le savais pas qu'ils bossaient avec eux. Hein? Moi, je savais pas. Donc ça m'a pété. Hein? En gros, vous êtes associé, mais. En vrai. Associé, mais vas-y. En fait, ils ont franchi le premier pas et t'as vu, ils auraient jamais dû. Ils auraient jamais dû faire ça. Attends, donc là, tu vas éteindre Reyes. Non, tu vas pas l'éteindre. Tu sais, elle a vu ma mère. Elle s'est fait. Tu peux les oublier. Ah ouais. C'est eux ou moi. Eh, je leur ai dit. Je sors vivant, t'es mort. C'est-à-dire, mais là, moi. Là, ma mère, il m'aurait ma balle dans la tête, je serais mort. Hein. Je lui ai dit. Je dis là, je m'en sors vivant, t'es mort. Parce que là, il m'a pété. Pourquoi? Il me parle de son. J'ai tué un gars de chez eux qui a balance. Il me dit, mais il a pas balance. Il a juste dit, c'est les gars de Wetz. Le mec là chez toi, là, dans la piscine, là. Voilà. Il me dit quoi? Il a pas balance. Il a juste dit, c'est les gars de Wetz. Mais cousin, il a balance. Il a dit, c'est les gars de Wetz. Bah, c'est pour ça que je l'ai fumé. Genre en mode, il t'en veut pour ça. Non, ouais, il m'a parlé de ça. Ouais. Après, il m'a parlé de. C'est tout que ça, hein. Là, extinction, le bourreau là, c'est en mode PC. Il y a fort moyen. Cousin, mais la PC, c'est mieux, hein. Comme ça, ils savent que hein, R3, c'est pas des lol. Hein. Non, là, cousin, non. Comment le business, c'est à Reyes, cousin. Et Reyes, il serait là, il aurait été plus réfléchi. Là, c'est ces petits, tu vois, des petits trous de balles sans charisme, sans. Il me met même pas pression, il vient, il me braque. Non, ma bite. Ma bite. Ah mon gars. Ah non, c'est réel. Vas-y, je vais agir dès maintenant déjà, je suis un fou moi. Je vais agir dès maintenant. Vas-y. Vas-y,
carrément, appelle-moi quand t'as du, quand t'as du nouveau là. Ça m'intéresse là, cette story là. Vas-y, 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 vas-y. 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 Allô. Oui, allô. Du coup, vous êtes au courant de ce qui s'est passé ou pas après? Non, du coup, moi je... Au moment où moi, je devais vous faire un plan, c'est-à-dire équiper les bikers, tout ça, au parking rouge. Les gars arrêtés sont venus m'ont braqué, m'ont ramené à Daimon pour une histoire de merde. Et je lui disais, hein, j'étais en train de... avec Bellevue, tout ça, en train de le sauver. En fait, il m'accusait d'avoir drive-by son Pacifique. Et je lui disais non, appelle Bellevue et demande-lui ce qu'on faisait depuis tout à l'heure. Il voulait pas, il voulait pas. Comme s'il voulait... En fait, il mentait, il a inventé cette histoire. Donc, au final, tout ça... Et moi, mes gars, là, ils se sont fait part pareil. Éteindre par le LSPD, juste après ça. Et vous aussi, tout ça part de Daimon. Tout ça. C'est Daimon qui nous a bloqué. Bah, c'est Daimon, en tout cas, qui m'a attrapé. Je lui disais, appelle Bellevue, demande-lui, demande-lui. Mais il voulait pas. Ok. Ouais, ça... Je comprends pas pourquoi, mais ok. Moi, de mon côté... Bah, parce qu'il s'en bat tout simplement les couilles de votre vie, c'est tout. Hein. Bah rien, mais c'est vrai. De mon côté, c'est tout bon. En tout cas, c'est géré. J'ai un interrogatoire demain, mais ça devrait aller. Je prendrai juste pour port d'armes. Hein, là-dessus. Ah ouais. Ouais. Et avec la chasse, non aussi. Hein? Avec course poursuite, non? Oui. Comment ça s'appelle? Refus d'obtempérer, port d'armes, je pense. Et peut-être okay. Achat de véhicules volés. Moi, j'ai dit que je venais acheter deux Pounder qui avaient été volés une heure plus tôt. Ok. Moi, bah, je me suis barré avec les acheteurs. Ok, ok, vas-y, nickel. Je me débarrasse du téléphone, je vous recontacte demain avec un nouveau okay. Numéro et puis de nouvelles livraisons Eurotexa. Je prendrai des hommes à moi mieux armés. Parfait. Voilà. À demain. À demain. Ah, mon frère. Allô. Allô. Ouais. T'es dans le nord ou le sud? Ouais. Nord, là, je suis complètement bloqué, je peux pas descendre. Ok, vas-y, vas-y, me laisse tomber, vas-y. Et par rapport à tout à l'heure, là. Ouais. Bah en fait nous on a fait ce que t'as dit. Ouais, non mais il y avait le LSPD et tout ça, ouais ouais ouais, laisse tomber. Il y avait deux hélicos, il y avait... Ouais ouais ouais, c'est sur moi qui sont tombés, c'est pour ça là je t'appelais. Mais vas-y vas-y tranquille, je m'en occupe. Bah vas-y. Dis-moi, parce que moi j'ai encore des gars dans le sud hein. Ah t'en as? C'est simple, avec dealer qui pète des keufs. Ils braquent des patrouilles, ils foutent la merde de fils de pute. En gros je t'explique, tous mes gars sont à l'hôpital. Il faut que ça parte en couille. Juste ils pètent une patrouille, ils les braquent à ma armée. Ils tirent sur les pneus, ils désarment les keufs et ils se barrent. Okay, juste on tire sur les, on en tire gros, sur les voitures braque... de keuf, on fait les pneus. En gros, ouais, non, ouais. Tu braques une voiture de keuf, tu leur dis de descendre. Okay. Ensuite, dès qu'ils descendent, ils tirent sur les pneus, ils désarment les keufs, en gros, posez vos trucs par terre et ils se barrent. Ok, okay d'accord, ok. Voilà. Okay. Vas-y. Et ils allument la voiture en mode un peu, tout ça. Vas-y. Au plus vite. Attends, 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 R3. Dites-moi les gars, vous voulez que je dise quoi? Juste, mais c'est rien, mon frère. Hein, après R3, si toi t'es dans la capacité de dire d'appeler Copperfield et de lui dire laisse passer le NCC, nous on fait ça maintenant. Vas-y, hein, je lui dis ça tout de suite. Vas-y, je lui dis tout de suite. Vas-y, et je vous paierai, vas-y. Vas-y. Ouais. Je vous passerai des boîtes et tout. Vas-y. Oh la dingue, nickel, super, vas-y. D'ailleurs, vous faites ça, je vous passerai. Dis, t'inquiète pas, full up de boîtes. Ouais. Vas-y, bah, passe la frontière, nickel. Va la frontière, vas-y. Oh là, vas-y, vas-y. J'ai dit que je Allô. Est-ce que vous pouvez juste laisser passer les NCC et revenir? Non, c'est mort, j'ai trop demandé à la frontière. C'est mort, capi, je fais passer personne. Mais moi, mes gars, ils sont tous à l'hôpital. Je peux rien faire, sinon. Bah, je suis seul. Mes gars sont à l'hôpital, tous attrapés, encerclés par le LSPD. Je peux rien faire. Je suis seul. Et pourquoi vous voulez faire quoi? Qu'ils viennent les sauver? Bah oui, ils vont venir, ils vont faire un truc. Y a tout le monde dans le nord. Et là, du coup, bah, y a un mauvais timing, c'est que bah, du coup, eux, ils ont plus rien à faire. Ils sont tous sur mes gars. Et mes gars sont à l'hôpital avec des grosses armes. Et voilà. Et tout c'est ça, c'était le coup de Daimon. Hein. Tout ça, c'est le coup de Daimon, en gros. C'est avec Daimon, c'est parce qu'il passait cette merde. C'est Daimon? En gros, de la merde, mais c'est simple. On était lui et moi en train de parler avec nos armes. Lui démasqué, nous tous masqués. Le LSPG est arrivé sur place. Daimon, il avait même pas de masque. Il a mis du temps à se masquer. Mais non, c'est nous qu'ils ont pourchassés et c'est nous qu'ils ont, bah, ils nous ont tiré dessus sur nous. Mais tous mes gars sont éteints là. À l'hôpital, je suis seul.
Donc juste vous les laissez passer, ils reviennent. J'aurais demandé en gros d'aller de partir et d'allumer du LSPD, de faire des de braquer des voitures de LSPD pour qu'ils y partent un peu. Mais ça marchera pas ça. Ah si parce qu'ils vont bah ça va péter, ils sont obligés d'aller, ils aiment trop le sang. Eux. Bah, j'ai déjà essayé ça. Non mais vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Vous laissez passer, soit oui, soit non, et puis voilà. Bah écoutez, je laisse passer, mais en échange, on est d'accord, votre mère a pas autant d'importance que ça. Oui, on verra ça, ça c'est la famille, ça, c'est notre histoire. Mais comment ça? Bah répondez-moi, Kupé. Mais ça c'est les sentiments, je peux pas, je la considère comme ma mère, c'est pas possible. Ah oui, vous la mais faites vite s'il vous plaît, là ils vont les prendre, ils vont les ramener. Mais parce pas jamais vous de la vie. Votre mère, Kupé? Bah non, je l'aime en tant que mère. Non, vous l'avez baisé, putain, elle me l'a avoué. Mais c'est faux, ça. Alors, 14, de toute façon, j'arrive dans le nord. Dès que le NCC revienne, je reviens. Moi aussi, je me barre deux jours, là. Non, c'est bon pour les... Et parfait, merci. Nouveau penthouse. Ça dit quoi, le sang? Scam. Elle a avoué, frère, mais elle cherche quoi, celle-là? Elle cherche quoi? Oui, allô? Oui, allô? Vous avez avoué à Cooper? C'est bien, fils. Vous avez avoué à Cooper? Avoué quoi, Cooper? Qu'on a... Hein? Tu vois ce que je veux dire? Non, justement, hier, il m'a dit quelque chose. Et je voulais vous poser la question. Parce que même Kostok m'a appelé aujourd'hui. Et je trouve ça très bizarre. Hier, Cooper m'a dit comme quoi je baisais mes fils. J'ai été outré. Et aujourd'hui, Kostok a tenté quelque chose avec moi. Il est bizarre. Il m'a demandé de venir faire le ménage, mais d'une façon très spéciale. Ah putain. En fait, maman, je dois vous avouer, je l'ai dit à Kostok. Quoi? Mais je lui dis que c'était un secret. Donc il a sûrement dû le dire. Donc je vais l'appeler et lui insulter toute sa famille. Mais non, mais j'ai... Il m'a pris au dépourvu. T'as avoué à Kostok? Imagine, mais si ça fait... Attendez, attends. T'es en train de dire qu'il est possible que Cooper le sait? Ah oui, mais après c'est rien. Je peux dire que j'ai menti. Y a pas de preuve. S'il te plaît, rattrape le coup. Oui, je vais rattraper, mais y a pas de preuve de toute façon. Oh mon dieu, cette famille. Non, il faut surtout pas que cette famille se brise. Hein. Je tiens vraiment à cette famille. Je veux pas qu'elle se brise. Oui. Je dois garder coup. Et Gozok, s'il te plaît, dis-lui que tu as menti. Ouais, je vais l'appeler, je vais lui dire. Vas-y. Voilà. Ouais, c'est impossible, Arvano, c'est impossible. Pourquoi y'a quoi? Ils sont là, fils de pute, ils attendent devant les portes, tu peux rien faire, c'est impossible. Mais Salazar, il est où là? Il s'est fait péter, Arvano, il a réussi à récupérer le Easy, il s'est fait péter derrière. Putain. C'est ton gars en fait, il est arrivé devant ton gars et ton gars il a dormi en fait, il bougeait pas, il résistait pas. Du coup, ça l'a fait cramer en fait, ils ont que. Bref. Parce que là, voilà, y a pas là, beaucoup de. Ils sont combien à l'intérieur? Ils sont 5-6, Arvano. M4 en main, devant les portes, ils attendent, ils veulent pas rien savoir, tu peux rien leur dire. Vas-y, continue à essayer au cas où, essaye au cas où. Essaye, de toute façon, ils veulent rester jusqu'à temps qu'ils partent. Hein, vas-y. Allô? Ouais, allô? Ouais, c'est comment? On est là, on est là. Ouh, ça pétarde! T'as capté? T'as vu El Chapeau? Ouais, fort. T'as vu El Chapeau, quand il se fait péter? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Dans la ville au Mexique, c'est la guerre sa mère la pute. Et ben là c'est pareil, là c'est la guerre. Je les vois face à moi, c'est la guérilla totale. La vie de ma mère. Viens cousin, mais toi t'étais pas là. La vie de ma mère là, c'est terminé. T'as vu, t'es plus mon groupe préféré. La vie de ma mère. Non, je... Ah je te dis pas, hein, mais t'es des bons vaillants. La vie de ma mère, ils l'ont fondu sale. Oh la dé. C'est qui? Je te dis pas, cousin, je te dis pas. Hé, de Forest, hein? Ouais, les gars! Non, ça, c'est mes gars, ça! Propre! Vous voulez quoi, je vous dépose? Vas-y, t'es coupé, Nico, t'as vu? Vas-y, impeccable, vas-y. Attends, je suis avec mes gars, Ghost Dog, hein? Va te faire niquer, toi. Les gars, je vais vous mettre bien, mais vous savez même pas comment. Ouais, là, pour l'instant, deux. Vas-y, c'est carré, nous, on continue, là. Wesh! La...
Ouais. Putain. En fait, les gars, je vous jure, être fort, c'est prendre des risques, hein. C'est tout, frère. C'est juste jouer, ma gueule. Nous, en vrai, parce que tu regardes Narwas, dès que tu vois un peu que ça commence à être trop technique, on puait nos grand-mères. C'est juste parce qu'on prenait des risques, on joue, on m'a dit que sa grand-mère. Là, ils sont en train de... Et vu qu'eux, ils sont un peu plus techniques, bah t'es moi, frère, les dégâts qu'ils ont fait, frère. C'est abusé, wesh. Wesh, le bruit fait grave peur, ma gueule. Allo, allo, c'est comment? Tu vas bien? Ouais, ouais, dis-moi. Là, là, c'est la merde, là, c'est la guerre de ouf, là. C'est... Mais ça se passe bien pour vous? Est-ce que ça se passe bien? Il y a deux de mes gars, c'est la merde pour eux. Et moi, je suis bien, moi, je suis bien. Eh, je vais... T'inquiète pas, les pères seront remplacés par du matériel. T'inquiète même pas. Là, tu m'as aidé de fils de pute. C'est... T'as vu? J'oublie pas. Là, c'est toi, terminé, hein, c'est... Hein? Toi, du coup? Non, j'ai dit non, je vais vous mettre bien de bâtard. Là, je... Du coup, toi, t'as réussi. Ouais, j'ai réussi, deux. Il en reste encore deux, mais bon, je pense que ça va être chaud, mais je sais pas. Là, en vrai, vas-y, faites-le encore, en gros, à... Encore 5 minutes, et après, arrêtez. Hein. Vas-y. Allô? Ouais, t'es où? T'es sorti? Ouais. Comment? Bah, je suis une grosse balance, frérot. Comment t'es sorti? Non, bah j'avais rien sur moi, j'avais une hachette. Je leur ai dit c'était moi qui conduisais, j'ai pas tiré moi. Ah, sur la vie de ta mère. La vie de ma mère. Ah, vas-y, bah j'arrive hein. Vas-y. Et tu sais que c'est la guerre en ville, mais de fils de pute sa grand-mère. Oh, t'as vu, j'étais avec des keufs, ils entendaient tirer, ils voulaient pas bouger. Mais gars, mais frère, ils auraient dû hein, parce que. Y a au moins 5 patrouilles éteintes. La ma mère, dinguerie, ils ont fait un carnage. Bah c'est normal, j'ai envie de te dire. T'es où? Je vais à Vainwood, viens, viens au garage Vainwood, viens me récupérer. Quoi, t'es à pied? Ah, je suis en vélo. Vas-y. Gros, je vais les payer comme jamais, frère. Donc là, Evan et les Mélo, ils sortent sûr. Ça va. J'ai dit, frère, ils risquent pas grand-chose, je pense. Ouais, bah moi, je pensais qu'ils se sont allumés avec les cas, frère, c'est pour ça. Skem, tu veux quoi le sang? La vie est pieds nus ici, elle a ramené. Eh frère, je leur laisse. En vrai, si je leur laisse juste le Uzi, c'est tout. Ils ont gagné le Uzi, frère. Ah, Uzi, c'est pas une arme cheatée, c'est de la merde. Et je leur repasse leur boîte qu'ils ont perdue. Monte. Cousin NCC, ils ont. Eh, c'est des bonhommes, hein. Ils ont fait quoi, raconte? Ils étaient bloqués dans le nord. Ils sont redescendus. Ouais. J'ai forcé la frontière avec Cooper qu'ils laissent passer. Je leur ai passé 9 boîtes, un Uzi. Ils ont enculé 1 milliard de patrouilles. Tu t'as tiré à vue, genre? Non, non. En gros, ils braquaient une patrouille, elle descend, ils dépouillent, ils font les pneus de la voiture, ils se barrent. Hop, enchaînement. Après, ça a dû s'allumer avec des keufs, hein, c'est sûr. Ouais, c'est Mais ils ont fait carnage sa grand-mère. Je dis pas que c'est l'endroit. Bonjour, capitaine. Ouais, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe là en ville? Écoutez, depuis 24 heures, Los Santos ressemble à Gotham City. Néanmoins, le Batman n'est pas là. Vous savez, il n'est pas là pour protéger la voix du prédateur. Il est absent. Il n'a pas répondu à l'appel. Mais néanmoins, la fine ligne bleue qui défend notre état depuis des années, elle est là. Elle est là sur le terrain, au qui vive. Et on veille. On veille à enfermer les méchants salopards. Bon, hein, descendez, levez les mains. Je rigole. La salope. Vous avez dit quoi, monsieur Bishop, là? Mais c'est une blague. Je voulais simuler un braquage, une caricature. Mais je n'ai rien. Vous voulez me fouiller, descendre mon véhicule, moi, tout? J'en ai rien. Attendez, je suis clean. Attendez. Ils vous ont dit, vos collègues, j'étais pris en otage. Ah ouais, pris en otage, vous? Oui, tout à l'heure. Et bah ben une petite merde, hein. Ouais. Et il a grave peur. Vas-y, ben monte. J'ai raté mon coup, putain, je voulais vous faire le coup de la portière, là. Ah, ok, bah non, désolé. Je suis vraiment, vraiment déçu, là.
Au revoir. Et ça s'est allumé où, cousin? Ici, je crois, à gauche. Il serait dessus, hein, lui. Hein? Bon, je pense que ça y est, tous les keufs, ils sont tranquilles. Regarde, 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 à droite, regarde. À droite, ouais, bah... Regarde, obligé, il y a des balles dessus ou quoi? Ouais, oh là. Où ça? La portière, tu vois pas? Portière droite. Bah, tu vois pas? Non. Et le pneu arrière droit, ah ouais, il ouais, fait. Ouais, ouais, ouais. Même là, même là. Ah bah, tant mieux, hein. Ma mère, ils ont fait du sale, hein. Tu vas leur faire quoi? Tu vas leur laisser leur usine? Ouais, je leur laisse le... Ça suffit, tu penses? Bah, gros, c'est presque 200K, hein, usine. Bien sûr, ça suffit. Surtout qu'en plus, tu voulais pas que des autos sortent maintenant, donc... Ah, ils sont là-bas. Eh, hey, comment ils t'ont attrapé, les mecs de Elbourg? J'étais à pied à Little Seoul. Mais pourquoi tu les as pas appelés? En fait, c'est mort, ils m'ont braqué direct. Mais j'ai appelé Salty, ah, mais si, j'ai appelé Salty, je lui dis viens me chercher. Centre commercial. T'as vu, en fait, toi, quand je t'ai appelé, tu m'as dit que t'étais dans le train ou je sais pas où, le tunnel ou je sais pas quoi. Mmh. Bah, fallait envoyer ta poste direct, frère, nous on était déjà tranquille. Bah, pour moi, vous étiez en train de vous. T'as vu, je sais pas. Non, moi je suis parti chercher. T'étais encore en mélo, bah je sais pas. Moi j'ai appelé Salty, je lui dis ouais, viens me chercher. J'ai faim. Dans le fond. Je préfère mourir qu'être un pops. C'est des balances devant les cops. Fuck le mauvais côté droite. Zack est mort comme tous mes hops. Pour nous faire la guerre, dis-moi y'a qui. Aux hommes qu'on a roulé comme Maki. Mais moi si on aime pour la 13, on te coupe la tête comme y'a.